This is Rancho. These contests spread across the world. Join together as a single tour. So we went global. Get it! Excusez-moi. Oui. C'est possible de monter le son, s'il vous plaît, de la télé? Bien sûr. Merci. Merci, c'est bon. L'extrême de Verbier, j'ai fait les 5 premières éditions. Ouais, c'est la seule compétition en fait, qui est dans une pente raide. On va dire que c'est une pente où il ne faut pas tomber au sommet. Et puis après, il y a 600 mètres de hauteur. C'est la seule et unique compétition de ce genre. Mais c'est ça que je veux faire, moi. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. Ah, la Suisse. Bienvenue en Suisse. Ici, on accepte toutes les devises. Surtout vos euros. Douane Suisse, bonjour. Bonjour. Vous venez d'où? J'arrive des Arcs. Et vous allez? Je vais à Verviers, à l'extrême. Quelque chose à déclarer? Non, monsieur. Et vous comptez entrer sur le territoire suisse avec ce véhicule? Ah oui. Traînez pas trop, on n'est pas en France ici, on n'aime pas trop ce genre de poubelle. Allez-y. Merci. Je m'en vais à Verbier, en tremblant, rider le bec des Ross. Plus rien ne me surprend, je suis pas une bête humaine. C'est pourquoi je voudrais, enfin, si on me le permet, dégueuler en paix. Ah, Verbier. Ah tiens, autre chose, tu cherchais. Ah, comment ça va, Ketchup? Mais ça va bien, merci. Ça tombe bien que je tombe sur toi. Ouais. Ici, il y a ta liste. Cool. Il y a plein de choses notées qui va t'aider à prendre part à l'extrême de Verbier. Trop mais bien. Surtout, le plus important, le couteau suisse. Et celui-là, si t'es dans la merde, tu ouvres une des lames, ouais. Et là, il y aura un Suisse qui viendra pour t'aider. Merci. Et ça, gratuitement. Non. Gratuitement? C'est pour la maison. Allez, bonne chance. Ah, c'est cool, ça. Tu cherches une bergführer peut-être? Une kid? Je suis kid. On va faire le Cody ensemble, Jungfrau. Schön. Roger? T'es sûr, Roger? Tu vas pas garder les faces pour demain? Ouais, t'as peut-être raison, c'est peut-être un peu plus sage. As it was saying, welcome to the 24th edition of the Freeride World Tour Finals here in Verbier. Please welcome me on stage, Rancho out of France. He is competing as well. Are you folks happy to be here or what? Yeah, I'm super happy to be here in Verbier and coming here with the yellow bib. And Tanner is not here, but the fight is not over. Rancho is coming here, so it's gonna be tough, for sure. For running at 7:45, just before you girls jump in the heli. If you start from the top, there's not really anything happening until you reach the central couloir. We thought we should add a third start where it was. 3 years ago. Okay, good. Thank you, Birdie. We're gonna go through tomorrow's program. So early. Hey, Léo. Léo, on met combien de temps pour monter au sommet? Chut. On parle pas quand l'empereur parle. Quoi, l'empereur? First gondola at 5:30. Start with the men at
C'est lui qui a construit le bec des Rosses de ses mains, dans les années 80. Comment il a fait? Jour après jour, caillou après caillou. Ah ouais? C'est marrant ça. Et du coup, pourquoi ça s'appelle le bec des Rosses? La légende dit qu'il l'a skié à l'époque avec des Rosses qui avaient des becs. Ah ouais, je comprends mieux. Et du coup, pourquoi il a toujours la main sur l'estomac? T'as Rancho, tes questions, t'es con ou quoi? C'est son DVA. Ah ouais, pas con. Là, là, ça passe pas. Hé, hey, bon, Rancho! Oh, Seb, ça va? Je peux pas se voir? Cool, viens. Ah. Bon alors, t'as trouvé ta ligne? C'est pas simple. Toi, tu faisais quoi à l'époque? Moi, j'allais directement sur la plus grosse barre, hein, celle qui porte mon nom. Ah ouais, la Michaud. Ouais, la moins 5 surtout. La moins 5 quoi? La moins 5 cm. Je comprends pas. Je vais t'expliquer. En 98, je voulais être basketteur professionnel. T'étais super grand, dis donc. Ouais, bon, ça va, hein. Presque, à force de sauter cette putain de barre, niveau taille, j'ai failli retourner en junior quand même, hein. Ah ouais. Si, regarde. C'est vrai, t'es tout petit, hein. Mon couteau. D'où, Schatzli? Ah oui, putain. Besoin d'un guide? Non. So schön. Urgeil, Matteron. Ist urgeil. Va ta gueule. Xavier? Mais t'es suisse, toi? Bah, fiscalement, ouais. Mais bon, sinon, ça va, Rancho, t'as ta ligne, là, ou quoi? Je m'en parle pas, j'ai pas dormi de la nuit. Bon, Rancho, il faut que tu capitalises sur tes points forts. Fluidité, rapidité. Moi, je pense que pour toi, la solution... Fais le dogleg. Surtout, il faut pas que tu te perdes dans la face, tac? Ah non, mais t'inquiète, hein, j'ai un truc pour pas me perdre. Mais par contre, en bas, je vais où? Tu mesures combien, là? 1m72. Ah, je pense à faire juste pour la barre Michaud, là. Eh ouais, tu vois, je te l'avais dit, hein. Eh, franchement, je lui avais dit, hein. This is Rancho. Ah ouais, quand même. Je trouve pas de ligne, ça me va pas, Un conseil, le couteau. Petit conseil suisse là. Dogleg, très bon choix. Conditions de neige, excellentes. Cailloux, dur, changeant. Rancho, va falloir être prudent. Faut en garder sous le pied. Non mais mon Rancho, tu vas pas écouter le Suisse, hein. T'y mets tout, là, t'y vas, tu la découpes, tu la dérouilles, tu la désosses. Ah! Il est arrivé donc du couloir Dogleg, utiliser un petit peu le petit spagne et faire un transfert pour poser dans le couloir à droite. Est-ce que tu as des infos au niveau de la neige? Le vent a l'air d'avoir soufflé comme ça. Et au-dessus à gauche, tu vois, t'as cette espèce de petite rampe de neige. Une fois que t'es rentré là-dedans, au moins ça redonne de l'énergie à ton ski. Pour... Merci. Can I ask you something? Yeah, sure. Did you already ski the Kaizakusen jump? At the bottom. At the bottom? Yes. The double? Yeah, you have to really turn left. Do not go towards the other cliff. It's gonna be fun. Good luck. You too. Bon là les gars, il va falloir monter au sommet. Ah cool. Et ça se passe comment avec l'hélico? Il faut prendre un ticket et tout? Mon petit Rancho, tu veux à quelle heure ton hélico? Ah franchement, comme tu veux, ce qui t'arrange. Ah moi je crois que tu vas monter à pied, comme tout le monde, et ça prendra 2 heures. Ah. Allez,
On arrive en haut du premier petit col. Bonjour. Il reste combien de temps à partir de là? 50. 50 minutes, bon ben parfait. Vous m'avez dit qu'il y avait un petit ravito ici. Je peux te faire une tasse de thé si c'est ça qui te ferait plaisir. The last competitor of the day. He's concluding this edition of the Verbier Extreme, the 24th competition we've had here on this face. The conditions have been a little bit crusty so far today, so we'll see how he handles this potentially catchy snow. Rancho, it's been a while since we have seen him in freeride competitions. 2001, 2002, 2007, he has competed here on the Beak of a Ross, a fourth place his highlight in 2001, fifth in 2002, and a seventh in 2007. Yeah, now if he wants to compete with the best of the best, he will have to take out all of his qualities, technical style and big bars. And we can see him now entering the start gate at the very top of the Beak de Ross. Départ dans 30 secondes. He is the only one from the 12 athletes who is starting right from the top of the Beak de Ross. Well, yes, it's either a good option or it's a stupid option. And anyway, he has a ginormous pair of kahunas. Next rider, bib number 12, Rancho. Départ dans 10 secondes. 10, 9... J'ai 8 secondes pour vous dire que l'extrême de Verbier, c'est de la dynamite. 7, 6, 5... Attends, je... mon GPS, j'ai oublié de le programmer. Mais qu'est-ce que tu fais là? On n'a pas le temps, il faut y aller maintenant. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Rancho on course. Yes, he started like a Diablo. He's got a fire right up in his bottom and we see him taking the direction directly towards the dog leg. Punaise! Si c'est raide là, Rancho si ça penche. Allez, passe par-dessus les cailloux. Là on est bien. La première à droite. Oh là là, le pont suspendu. This is such an exposed area where he's riding right now. He's going over to the Ovomaltine bar. Allez, la barre Ovomaltine. Je la saute ou je la saute pas? Je la saute ou je la saute pas? Ah non, non, je la prends pas. Allez, comme Zav m'a dit, je prends 5-6 courbes à fond. Prendre tout droit. But no, he's avoiding it. He's just skiing around it. Unfortunately, not a good score for him at the top section of his run. Je suis bien là, je suis bien. Allez, maintenant c'est parti. Je me rapproche du dogleg. Dans 50 mètres, prendre deuxième rocher à gauche. Oh, oh putain, j'ai déjà les cannes qui chauffent là. Oh. Ok, allez, là on plonge dans le dogleg. Faites demi-tour. Je répète, faites demi-tour au prochain. Non mais ta gueule le GPS là. Je comprends plus rien là. Putain mais ta gueule toi là. Allez, il est où mon couteau suisse là? Ah il est là, ah, il me faut l'autre guide là. Allez, il est où le guide là? Haha, moins facile hein tout. C'est maintenant qu'on a besoin du Bergführer hein, du guide. T'as pensé passer au bureau pour payer, c'est pas gratuit Todor. No, he's right into the dog leg right now. But Rancho seems a little lost, he looks angry. We hear him howling from our cabin, what's going on here? Yeah, Rancho is skiing the exit of the dog leg right now and he's going skiers left in the direction of the central couloir. Allez là-bas. Je saute là ou je saute pas? Je saute ou je saute pas là? Né, tu sautes pas. Le guide il veut pas. On va mettre le rappel, c'est beaucoup plus sûr, hein? I feel his legs are on fire. He's killing it. Ah punaise, j'ai les guibolles en feu là! Ah mais qu'est-ce que je donnerais pas pour un petit massage en douceur? Allez, focus Rancho. Je suis chaud là, je suis chaud. Je vais me faire la barre Micho. Non, Rancho, fais pas ça.
Et regarde comment je suis devenu. Ah ouais, punaise, je suis con. Bon bah je vais où du coup maintenant, moi? Calcul du nouvel itinéraire. Allez, Rancho, on voit l'avion, bordel. And now he's heading over to a transfer and he's going for a backflip, but he doesn't stick it all, man. Backflipping the cliff to catching his tips. He's left the ski up there. Good night, Rancho. Unfortunately, that poppy side hit was not quite poppy enough. You have left a ski about 10 meters above you. Now he's hiking back up. The walk of shame starts. My girl likes to drink whiskey. My girl likes to drink wine. And a tough one for the judges. Tough one for the judges where to place him in this highly stacked category of ski men. Now Rancho in the finish corral, waiting for his score. There'll be a no score during to losing his skis. If you lose a ski or unstrap your snowboard for any reason, you receive a zero score. So he'll be sitting in last today. Vadek Guric winning the Freeride World Tour Finals here. Sorry, Marcus Eder 6 and the Freeride World Tour Champion. Big, big smile of Rancho. Beard still in his shape, so he must be happy. Oh Rancho, je suis fier de toi, t'es un solide, là, tu l'as désossé la face, c'est bien, bravo! Cool! Oh merde le frangin! Rancho! T'es parti d'en haut, toi au moins, pas comme nous, bravo! Eh, t'as envoyé du steak, t'as taillé dans l'art! Bravo, merci! Fais plaisir, et au fait, t'as pas eu mon frère? Là-bas. Merci! Bravo! Reste souriant après, hein. Reste